Le fer. Le fer, le fer, quelle affaire! On en trouve un petit peu partout et partout un petit peu. Dans les cargos et les locaux, les clés à molette et les motocyclettes, les tanks et les boules de pétanque, et même dans la tour Eiffel. Mais là où on s'y attend le moins, c'est qu'il y a aussi du fer dans l'organisme humain. Pas des gros morceaux de ferraille, évidemment, mais de toutes petites quantités nécessaires pour vivre en bonne santé. Sauf qu'il y a un souci. Le fer s'élimine petit peu par petit peu à chaque fois que tu vas aux toilettes. Il faut donc que ton corps se ravitaille, sinon tes réserves s'épuisent et toi aussi tu t'épuises. Tu te fatigues plus vite. Absorber régulièrement du fer pour se refaire un petit stock est nécessaire. Tu vas me dire, il suffit de croquer de temps en temps une chaîne de vélo, un trousseau de clé ou un fer à repasser. Trop compliqué. Sans compter qu'à ce petit jeu, ma cocotte, tu risques de te casser les quenottes. Non, il suffit de manger des aliments qui en contiennent du fer, comme la viande, le foie, les œufs, le poisson, le persil, les lentilles, les coquillages, les épinards. Grignoter des fers à cheval n'apporte rien sur le plan médical. Quant à la tour Eiffel, tu la vois, toi, dans ton écuelle? Le rôle du fer est essentiel à la vie. Il aide le sang à bien distribuer l'oxygène partout dans ton corps, jusqu'au bout du bout de tes orteils. Il fait partie des globules rouges. C'est même lui, sous sa forme de rouille, qui donne sa couleur au sang. Alors n'oublie pas, pour avoir une santé de fer, mange du fer. Et pour ce faire, tu dois manger un petit peu de tout. Et ça, allez, c'est quand même pas le plus dur à faire, ça, Pirlipopeye. C'est bon la vie. Je mange de tout, de tout, de tout.